au sein de la division risque rocheux d'IMSRN, dirigée par Yves Bernardin et qui fonctionne sous la supervision technique de Christophe Delaunay à Grenoble. Nous sommes tous cordistes, géologues, géotechniciens. Nous intervenons donc essentiellement sur des problématiques rocheuses et sur des travaux difficiles d'accès. Donc nous avons tous les capacités à nous déplacer sur cordes ou sur tout dispositif aérien. Notre métier premier, c'est de recenser les instabilités, de caractériser l'aléa qui en découle et donc de proposer des solutions de traitement. On a une part terrain très importante, je dirais que ça doit couvrir au moins la moitié de notre activité quotidienne. Et nous avons surtout une vision des travaux et des différentes études à l'échelle au moins nationale, car ça reste quand même une activité exclusive qui nécessite de nous déplacer sur des sites particuliers qui ont en général un très gros potentiel touristique ou patrimonial. Je pense à Monaco, je pense au Mont-Saint-Michel, je pense à Cap-Sicier, des sites majeurs sur lesquels on est amené à régulièrement intervenir, que ce soit pour faire des études ou que ce soit pour suivre les travaux de sécurisation.